vous en voulez du moonshine? Quand 2000 se ramassent en ville. Si vous consommez de même, là, on va se ramasser en dedans. Nous autres, on essaye de faire profiter. Hey, vous, hein, travaillez pour lui. Il y a des nerfs, là, Chris. Chris, je suis pas lire, puis tu t'en vas travailler pour ces trucs-là. C'est moi qui mène. La journée que ça va te tomber sur la tête, tabarnak, les autres vont venir dans l'air. Tu vas fermer ta gueule. Laissez vous faire du poté, là. Moi, là, j'ai pas rapport là-dedans. Toi, tu runs du moonshine. Moi, là, ça va être l'affaire, là. Toutes les instances policières et agents fédéraux sont en route pour Saint-Hugues. Hey, venez-vous-en à Saint-Hugues quand j'ai les FBI au cul. Oh shit, t'es dans l'arbre. Salut, mon cousin. Préparez-vous, j'arrive! Ils en veulent un show, ils vont en avoir un. On leur fait ça à la douche. La police nous fait pas peur, on est les Moonshine Riders. On aime les gros chars à moteur, les chars à carburateur. On aime la vitesse, on fait la course, le gaz au fond vient nous foutre la frousse. Remplir les tanks, soit on tourne ou bien dans le corps. Alors sur c'est du moonshine, y'a rien de plus fort. Hors la loi depuis longtemps, hors la route depuis des heures. Notre devise, la vie c'est moonshine riders. Depuis que les Moonshine Riders ont repris en affaires, on aperçoit plus d'activités en région. On voit plein de gens, même plusieurs vedettes d'Hollywood viennent ici. Et pourtant, ici, à Saint-Hugues, c'est un village assez modeste, pour ne pas dire, c'est un trou. Avec les derniers événements des Moonshine Riders, avec leur fameux barrage, ils commencent à être la mire de plusieurs, et on ne sait pas trop où cela va nous mener. Hey, check ça si c'est beau ici. Il y a beaucoup de végétation par ici. Ça laisse place à l'activité douteuse. De l'activité douteuse? Dans quel sens? D'après la cartographie du secteur, il y a plusieurs petites routes sans issue non surveillées. Et je remarque plusieurs modèles de voitures peu communes. Kit, est-ce que tu peux m'analyser ça, s'il te plaît? Bien sûr, Mike. C'est une alcool à plus de 70% connue sous le nom de Moonshine, et d'après mes informations, il y a un très gros groupe qui en font et livre partout au Québec et les transporte avec des voitures anciennes pour garder profit bas. On va y pousser dans le cul, Kit, qu'est-ce que t'en penses? Une petite distance en arrière, je vais pouvoir faire l'analyse. Ce véhicule fait partie du groupe en question recherché. Ouf! Ce véhicule pollue beaucoup. Salut! Ça roule? Oui. Ouais, hein? Transportez-vous d'une cargaison illégale? Pas du tout, non. Non?
Est-ce qu'on peut aller vérifier, s'il te plaît? Ouais, pas de problème. Ben oui! Il pense pas à la voir! Ça va bien, Julien? Vous avez tout aujourd'hui, là, tout après moi. Ce qui se passe, c'est à cause d'un char noir. Merci. Passez une belle journée, monsieur. Pas de problème. Il est curieux que le conducteur s'arrête sans qu'on lui demande. D'après l'analyse des vapeurs corporelles du conducteur, il a une forte odeur de moonshine, mais aucune bouteille détectée. Il a quand même un taux d'alcool dans le sang de 0,70%. Maudite gang de fatigués, hein? Je sais pas qu'est-ce qu'ils ont tout après moi aujourd'hui, eux autres. Donc, je rêve-tu, moi, là, ou si vous continuez de même, là, on va se ramasser en dedans. C'est clair que c'est pas vers la dernière shot, là. J'ai de la misère à le passer au gars, là. Non, mais tu sais, Chris, c'est pas juste ça, là. En plus, avec toutes ces astignaisés, là, quand 2000 se ramassent en ville. Ouais, mais là. En là, village. Là. Voyons, Chris. Tu sais, vous faites spotter, là. Moi, là, j'ai pas rapport là-dedans. Moi, là, c'est rien que l'affaire, là. Ah, mais produis donc de la qualité. Ah, pis là, c'est qui a pas de ça, là, ces affaires-là? C'est toi? Des fois, c'est un peu moins, mais. D'autres fois, c'est moins. Ouais? Salut, le plein? Hey, salut! Excuse de te déranger. Je vais faire un beau petit cadeau un matin. Je sais que t'aimes bien ça. Ouais. Ça va te faire plaisir. Moi, je t'aime bien. Puis, t'es le meilleur boss que je peux pas avoir. Ok. Mais c'est d'accord. Hey, Dem, ok, c'est bon. Tu joues pas un tour. Non, non, là. Pas un tour. Ok, ben, ça va faire plaisir parce que je t'aime bien. Ah, ouais, regarde, c'est super, vous tout. Ah, oui. Ben oui, encore ce mois-ci. Ah ouais, je suis quand même chanceux, Marie. Ben oui, à tous les mois, tu sais, c'est quand même bon, là. Ben oui. Puis, écoute, tu vois, c'est arrivé, là. Oui, hey, attends. Hey, bud. Ça fait longtemps que t'es mon employé du mois. Oh, c'est mon préféré, tu le sais. Ouais. Ça tient. C'est à moi. Oui, monsieur, c'est tient. C'est deux pareils. Identiques, les deux sont pareils. Hey, wow. Pareil. Hey, merci. C'est quand tu sortes au CGA, signale-nous en triple 4 au rang cart. Ok, je vous dans ton... C'est quand tu sortes au CGA... Rapprochez-nous le lieutenant Doug, là, sur mon 10-20 pieds, s'il vous plaît. Mais t'as même pas le droit de le laisser partir demain!
Oui, je dis que oui. Ah ouais? Il n'y a rien qui marche. On va se revoir. À la maison, là, on va se revoir. Un petit message à te faire, mon homme. Ouais, vas-y. Reste pas patient, reste dans ton bout de tabarnak. M'as-tu compris, calice? Il y a juste une affaire que tu comprennes. C'est ouais, moi ouais. qui mène. La journée que ça va te tomber sur la tête, tabarnak, les autres vont venir dans l'air. Tu vas fermer ta gueule, Chris. Tu vas voir. Tu veux continuer dans les autres, là? Chris, reste sur ton bord. Arrête de faire chier bas, tabarnak, ça va bien aller. Moi, en plus, c'est pas de le faire chier. Il est rendu sur ma ville à faire deux affaires. Garde, Chris, patience à bas, ça va bien aller. Bien okay? Il va rester sur son bord. Tu veux qu'on continue à travailler ensemble, c'est pas de problème. N'inquiète pas pour nous autres. La loi, tu vas voir, c'est moi qui la tricote. Je fais ce que je veux, moi. Je te le dis, c'est moi qui fais ce que je veux. Garde, il peut te faire même un flanc. Mike, tu devrais intercepter ce véhicule car je détecte un très fort niveau d'alcool et des grosses boîtes avec de l'alcool en arrière. Bonjour. Bonjour, monsieur l'agent. Ça va bien? Oui. Oui. Je détecte de l'alcool de contrebande dans votre véhicule. Moi, je pense pas. Vous pensez pas? Non, non. Non, vous avez pas de moonshine? Non, je pense pas. Non. Ben oui. Ils pensent pas en avoir. Ils disent tout ça. Oh maman, qu'est-ce que c'est que ça? Tadam! Le jackpot! Je suis même pas au courant. Pourriez-vous ouvrir la deuxième porte, s'il vous plaît? Oui, bien Tu as le gros lot, Mike. Notre patron va être très heureux. Va falloir que je vous convisque comme, malheureusement. Mais sérieux? Oui, pas mal. Bon. Ok, tu me rouvres le coffre? Tout de suite, Mike. Ouverture du coffre. Vous pouvez me donner un coup de main, on va transporter ça, s'il vous plaît. Ton problème? Pas tes affaires, ton papier, s'il vous plaît. On se calme un instant. Tiens. Merci. C'est quoi ça à côté de vous? Qu'est-ce que ça a l'air? Une bouteille d'eau? Niaise-moi pas, écris, c'est quoi? C'est de l'eau dans un pot de maçon. Ça va être long, hein? Mm-hmm. C'est quoi? Moonshine. Oh, là, on a un problème. Mike? J'aperçois un véhicule hors route qui s'approche à pleine vitesse. Je détecte la pression artérielle du policier crinquée dans le tapis. Il va faire une crise de cœur. Oui, Kit, il va être correct. Je vais aller régler ça son problème. C'est pas de conneries, tu l'as. Non. On va voir la différence. Qu'est-ce que bonne fête, sérieux? Hey! Thank you.
Salut les neveux, comment ça va? Salut Claudette, ça va bien toi? T'as bien été la route? Ouais. Yes! Ah, tiens, une caisse de gold pour Oncle Ness. Oncle Ness, on nous apporte votre refill. Ouais, ça commence à être temps, on n'avait plus. Ma dernière corvée, c'est ça. L'avez-vous passé dans le tracteur ou l'avez tout bu? J'ai tout bu. Ben voyons donc, ben oui. Tout depuis la dernière livraison. Bien sûr. C'est-tu Bertha qui vous fait boire de même? Elle n'en fera pas jamais. Ah, maudite Bertha! La vie est belle! Ben oui, c'est moonshine! Yes! La vie, c'est moonshine! C'est ça! Mais là, faites attention, parce que j'ai eu des plaintes comme de quoi que la police est sur votre dos, puis... Ouais, c'est très, très sérieux. Ben, ouais. Des plaintes de qui, là? Ça vient de où, tout ça, là? Et Jack, il... Ils mènent du train en ville, nous autres. Vous en voulez du moonshine? Ben là, moi, qu'est-ce que j'ai entendu dire, là? Qui vous a dit ça? Vous avez pas besoin de savoir ça, là. Là, c'est fait, Jack. Vous êtes tous pareils. Je veux pas qu'on ferme la ferme. Oui, ici. Mais on connaisse. On a fait ça de génération en génération. On n'a jamais perdu la ferme, puis on n'a jamais eu de trouble. What the fuck? Nous autres, on essaie de... Ben faire là, pas, là. On a toujours réussi à s'en sortir. J'ai intercepté une communication radio sur CB et ça parle de cul. T'as une idée, Mike, de quoi il parle? En plus, ses fréquences grichent beaucoup. Voyons! Quiet! Ouais, ben c'est le fun de voir qu'on a des vedettes qui viennent nous voir à la ceinture. Je vais lui donner un petit tour d'idée. Je pense vraiment nous impressionner avec son gros char. Il se penche sur une piste de course. Kit, qu'est-ce que t'en penses? On lui montre-tu ce qu'on peut faire? Oui. Kit, ta gueule, sinon je te mute. Je m'en viens! Je suis là! As-tu aimé ta visite guidée version Duke? Ah, c'était bien correct, mais tu m'as fait pas mal perdre mon temps, là. Mais tu vas me dire, c'est quoi que tu fais ici, à Saint-Sud? J'enquête sur un meurtre. Il y avait du moonshine impliqué, puis toi, tu runs du moonshine. C'était assez simple pour ton goût. Parce que je t'ai donné du fil à retordre, là. Faut pas après quelqu'un de même... Rien, hein? J'ai reçu confirmation que tous les instances policières et agents fédéraux sont en route pour Saint-Hude. C'est pas inutile, là! Cependant, les Moonshine Riders ne sont pas impliqués dans le dossier du meurtre. Mais je peux vous dire que j'ai vu dans ma tache d'huile que ça va brasser. Dan, Whisky, m'attendez-vous? Dan, à l'écoute. Whisky, à l'écoute. Ah, venez-vous-en, on s'en va quand j'ai les FBI au cul. Oh shit, t'es dans la merde solide, mon cousin. Attends-moi, j'arrive. Ils vont en avoir un. On le fait ça à la douche.